nous allons chanter à l'Éternel parce que nous l'aimons. Et comme je pense que vous l'aimez, eh bien chantez avec nous et célébrons ses louanges. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Je me confie en l'Éternel, je serai par sa grâce dans l'allégresse et dans la joie. Je me confie en l'Éternel, je serai par sa grâce dans l'allégresse et la joie. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Je me confie en l'Éternel, je serai par sa grâce, dans la grâce et dans la joie. Je me confie en l'Éternel, je serai par sa grâce, dans la grâce et la joie. On essaye ensemble? Allez, on y va. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Je me confie en l'Éternel, je serai par sa grâce dans la grâce et dans la joie. Je me confie en l'Éternel, je serai par sa grâce dans la détresse et la joie. Nous voulons chanter le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Et ce nom, nous voulons l'élever. Il est merveilleux. Alors chantons. Nom donné, envoyé de Dieu sur la terre. Jésus, le nom du Fils, donné au monde par le Père. Jésus, ma victoire, tu es mon salut. Ma gloire, si je devais ne plus dire qu'un nom, ce serait ton nom, ô Jésus. Jésus, ce nom donné, envoyé de Dieu sur terre. Jésus, le nom du Fils, donné au monde par le Père. Jésus, ma victoire, tu es mon salut et ma gloire. Si je devais ne plus dire qu'un nom, ce serait ton nom, ô Jésus. Est-ce que vous voulez bien chanter ça avec nous? Allons, on chante ensemble. Le beau nom de Jésus. Jésus, seul nom d'homme.
sur la terre. Jésus, le nom du Fils, donné au monde par le Père. Jésus, ma victoire, tu es mon salut et ma gloire. Si je ne vais ne plus dire qu'un nom, ce serait ton nom, ô Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Le bon nom de Jésus. Amen. Bonjour et bienvenue sur le site Mon Église à Grenoble. Je suis heureux de vous retrouver pour le partage de la parole, car quand bien même nous sommes confinés, la parole de Dieu n'est pas confinée. Dans l'évangile de Marc, nous avons au chapitre 16, les 8 premiers versets, ce texte que je vous lis. « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. » Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Voici le message de la résurrection de Jésus dans l'évangile de Marc. Et nous avons là un événement extraordinaire, bien sûr, qui va rester là, qui va en rester là dans le secret du cœur de ces trois femmes qui sont tétanisées par la peur, qui n'oseront en parler à personne, nous dit le texte. Elles auront peur de témoigner, peur de parler de leur Seigneur, du moins pendant un certain temps. Une peur compréhensible aussi, si l'on comprend les enjeux qui sous-tendent la disparition du corps de leur maître, de Jésus, le corps n'est plus là. Après leur première question, qui nous roulera la pierre, vient une seconde question plus épouvantable, qui a volé le corps du Seigneur et pourquoi et comment? La peur de ces femmes, je les imagine quand elles entrent dans le tombeau, se retrouvant presque face à face, avec un homme vêtu de blanc, assis là, tranquille. Elles sont épouvantées, effrayées, terrifiées, affolées. Le tombeau est vide, Jésus n'y est plus. Cette situation, pour elles, est vide de sens. C'est toujours le propre du vide de provoquer la peur, n'est-ce pas? En effet, quand on ne peut plus se rattacher à rien, la peur du lendemain commence. Et on réfléchit dans tous les sens. Si ces trois femmes avaient pu embaumer le corps de Jésus avec leur aromate, comme elles étaient venues le faire, c'est leur croyance elle-même qu'elles auraient embaumé, comme conservé dans le parfum nostalgique du passé seulement, ce tombeau vide dans lequel elles sont entrées, ce tombeau vide est comme le Saint des Saints au temple. Et ces femmes qui sortent du sépulcre, ces femmes qui s'enfuient, laissent derrière elles ce tombeau vide. Ces femmes laissent une religion instituée pour un message à témoigner, un rendez-vous déjà annoncé. Seulement le texte nous dit qu'elles ne diront rien à personne à cause de leur effroi. Comme ces femmes dans ce matin de Pâques, nous nous sommes enfermés, confinés avec la crainte d'une attente à la manifestation de notre foi. Elles n'ont pas pu faire ce qu'elles étaient venues faire au tombeau et maintenant elles s'enfuient, laissant derrière elles ce tombeau vide qui les effraie. Le vide est la nouveauté
font toujours peur. Le problème est que cette peur va en enclencher d'autres. Et la peur en enclenche beaucoup d'autres, telles que la peur de ne plus rien maîtriser avec nos forces, notre savoir-faire. La peur aussi de perdre le pouvoir sur nos projets, sur nos vies, sur notre avenir. La peur de ne pas retrouver le monde d'hier, nos cultes d'hier. La peur de ne plus retrouver les mêmes frères et sœurs, les collègues d'hier. Et cette peur peut être soit stimulante pour inventer l'avenir et ne pas lâcher nos lendemains, ou cette peur peut vous tétaniser, vous empêcher de vous laisser inspirer. La peur peut décupler nos forces et nous étonner, mais elle peut aussi nous anéantir et nous empêcher de faire un pas, ne plus bouger. En ces périodes de Pâques tellement particulières, confinées, nous sommes nous aussi devant le vide d'un tombeau. Et nous pouvons choisir entre le confinement de la peur et la course pour rejoindre celui qui nous donne rendez-vous à tous, celui qui nous précède toujours, c'est-à-dire l'homme de Galilée. Nous pouvons toujours le rejoindre, même contraint, même enfermé, même confiné. C'est le miracle de Pâques. Jésus était enfermé dans le tombeau, mais Dieu ressuscite les morts et alors tout change. Jésus n'est plus là dans la mort. Il n'a pas attendu qu'on l'embaume parce que Jésus échappe à tous les pouvoirs. Jésus échappe à toutes les manipulations des hommes. Jésus est libre de toutes les étiquettes. Il est la parole éternelle donnée à tous les hommes. Frères et sœurs, ce temps de confinement pour les églises a quelque chose de bon quelque part. Ce temps de confinement nous fait vivre autrement notre foi avec un rendez-vous personnel avec Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous ne sommes pas destinés à devenir des reliques d'un lieu de culte, 86 cours Beria, le temple, la chapelle ou ailleurs encore, mais nous sommes destinés à porter un message comme ces femmes. Même si nous avons un lieu pour nous rassembler, combien nous aimons ces lieux, Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. La résurrection de Christ est un fait de Dieu en relation avec les hommes, avec la destinée de l'humanité et celle de chaque croyant en particulier. L'incarnation de la parole de Dieu, Jésus-Christ, Fils de Dieu, sa mort expiatoire, son ascension, sa résurrection, j'aurais dû mettre l'un avant l'autre, tout cela sont les fondements de notre message. C'est la bonne nouvelle du salut. La résurrection de Christ est aussi le garant et la promesse de notre propre résurrection. Notre salut est à la fois physique, spirituel, éternel. Nos corps ressuscités, bien qu'ils ne puissent pas être exactement identiques à ceux de cette vie terrestre, seront comme celui du Seigneur Jésus après sa résurrection. La clé de tout l'avenir du monde est la résurrection. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité des morts, on ne peut pas attendre le royaume futur du roi des rois. Ce serait une utopie. La résurrection est un événement qui atteste le prochain retour du Seigneur et nous y prépare. En terminant, il y a un verset que j'affectionne particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33, qui nous est dit « Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. » Vous voyez, ces trois femmes, tout à l'heure, elles n'osaient rien dire à personne. Et plus tard, il nous est dit « Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. » Ce verset est souvent ignoré. Pourtant, il est révélateur d'une force, d'une espérance sans égale. Christ est ressuscité. Face à différents états d'âme, face à de véritables forteresses, ses disciples proclamaient avec force la résurrection, d'autant plus que cette annonce les a totalement changés, transformés. Avant cela, ils battaient en retraite, Pierre avait même renié son maître, et les autres l'avaient abandonné. Ils se cachaient, nous dit la Bible, derrière des portes fermées, n'osaient plus rencontrer qui que ce soit, même pas leurs amis. Le drame, l'horreur de Golgotha était encore présent dans leur tête. Ils craignaient d'affronter la foule qui avait tué leur maître. Ils n'avaient pas envie de subir le même sort. Ils en avaient peur. Et l'avenir, ils n'osaient même pas le regarder en face.
Leurs espoirs, leurs rêves étaient brisés. Mais la nouvelle se répand. De rue en rue, de lieu en lieu, le Christ, le Seigneur, est réellement ressuscité. Et tout va changer. De trouillards, poltrons qu'ils étaient, ils vont devenir des conquérants. Et à tous les découragés, à tous les craintifs, à tous ceux qui ont peur de rendre témoignage de leur foi de Jésus-Christ, eh bien, nous voulons dire, il est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Maranatha. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Je vous dis à bientôt. Combat pour toi. Alors reste.